Itori, province en proie à l'insécurité. La rentrée scolaire en cette période instable n'est pas un sujet de joie pour tout le monde. Ici, des milliers d'enfants ne sont pas prêts à regagner le chemin de l'école suite à leur situation, notamment des déplacés de guerre. Ces enfants déplacés plaident pour un accompagnement. Ils l'ont dit ce lundi à la cérémonie d'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. Les milices Kodeko étaient à très traitement derrière nous. Il avait tout brûlé. La maison, le village était brûlé. Pour ça que nous vous demandons, quand nous sommes encore ici, il faut nous aider. Comme là-bas, notre école, il n'y a pas de place encore. Mais il y a beaucoup de enfants. On peut augmenter même la classe. Pour ça, nous vous prions. Si vous faisons comme ça, nous allons vous remercier beaucoup. Reconnaissant ce défi, Raoul Tchaloué, vice-gouverneur de la province de l'Ituri, indique que les efforts sont en cours pour réduire sensiblement le nombre d'enfants hors système scolaire. 35% d'enfants en âge d'aller à l'école en Ituri sont en dehors de l'école, soit au moins 4 enfants sur 10. Pour faire face à ces problèmes, le gouvernement provincial organise la campagne de scolarisation sur toute l'étendue de la province de l'Ituri en vue de réduire le nombre d'enfants de 3 à 17 ans en dehors de l'école et de garantir leur droit à l'éducation de base. Avec comme objectif de récupérer au moins 15% sur les 35% d'enfants en dehors du circuit scolaire. Signalons qu'en dehors de la situation sécuritaire précaire, les irrégularités de prise en charge de personnels enseignants constitue de poches d'incertitude pour une reprise effective des activités scolaires sur l'ensemble de la province.